Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Psychic World, sorti sur Master System en 1991, également sorti sur Game Gear, et en 1988, sorti sur MSX sous le nom de Psycho World, édité par Sega, développé par Sunritsu et Hertz Company. L'histoire, vous l'avez vu, c'est le docteur Navid chez ses deux assistantes, qui sont deux sœurs jumelles, Cécile et Lucia, qui mènent des expériences dans leur laboratoire. Un jour, il y a une explosion et il y a des monstres sur lesquels ils faisaient des expériences qui s'enfuient. L'histoire recommence, c'est pas bien grave, ça fait une petite musique de fond. Donc le laboratoire explose, les monstres s'enfuient et emmènent Cécile avec eux. Et le docteur donne à Lucia, donc l'héroïne du jeu, un ESP booster qui va lui permettre d'utiliser des pouvoirs psychiques. Vous allez le voir dans le jeu, c'est la base du jeu. Et pour sauver, bien entendu, sa sœur. On va appuyer sur Start, enfin sur 1, puisqu'il n'y a pas de bouton Start, je le rappelle, directement sur la manette de la Master System. C'est parti. Premier niveau, la prairie. Donc là, on voit le monstre qui enlève Cécile avec le laboratoire en fond. Et on va voir notre héroïne qui va apparaître. Il y a toujours une petite scénette avant chaque niveau. Il ne faut pas hésiter à la laisser se dérouler, il ne faut pas appuyer sur Start tout de suite. On va la voir arriver, voilà, c'est elle, c'est Lucia. Qui est beaucoup plus jolie, bien sûr, dans la cinématique que vous avez vue en intro. Là, il va se passer un truc, elle va se faire toucher. Et puis, en fait, après, elle va se relever et elle va y aller. C'est quand elle veut. Ouais. Bon, ok, bon, on appuie sur Start, on y va. Voilà le jeu. Donc, on peut tirer avec la touche 1, on tire des petits rayons d'énergie. Vous voyez qu'une fois qu'on se met à courir, elle court très vite. Alors, elle court automatiquement, hein, au bout d'un certain temps, elle court. Putain, là, ils vont commencer à m'emmerder, ceux-là. Hop. Oh, putain. Bon, ouais, là, je crois qu'ils ont disparu, ouais, ils ont disparu. Donc là, vous voyez que je viens de ramasser un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est, vous le voyez apparaître dans la fenêtre en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez la petite croix rouge. Donc on peut croire que c'est un pouvoir de healing. Donc pour activer les pouvoirs psy, il faut appuyer sur bas, 2. Et donc là, rester appuyé sur 2, la fenêtre devient rouge. Et avec les flèches, on peut sélectionner les pouvoirs. Donc là, on n'en a qu'un seul. Ça, c'est notre pouvoir de base qu'on conserve, même si on choisit un peu le pouvoir qui est là. Et vous voyez que je clignote. Et là, je suis invincible pendant un court moment. Oui, ça n'a pas duré longtemps, c'est normal. Il faudra récupérer en fait des symboles du pouvoir pour augmenter le temps pendant lequel il dure. Alors, voilà un par exemple. Vous allez voir que là, si je l'active, il va durer plus longtemps. Et il a duré sensiblement plus longtemps. Ce que je viens de récupérer là, ça revitalise ma barre de psy. Ma barre de pouvoir psy et les cœurs, bien sûr, ça revitalise ma santé. Ça remplit ma barre de santé. Eux, ils sont chiants, putain. Hop, voilà. Bon. Donc, un petit jeu de plateforme très sympa avec la possibilité donc d'utiliser des pouvoirs psy. Du pouvoir magique, si on veut. Hein. Donc, vous voyez, ce que j'ai récupéré là, c'est l'item de mon pouvoir psy principal. Là, je vais me mettre là parce que lui, il va faire apparaître des racines. Il faut attendre qu'il crache des boules pour pouvoir le toucher. Bon, lui, par exemple, pour pas me faire toucher, je peux utiliser le pouvoir de la petite croix rouge. Hein. Là, je récupère une upgrade. Vous voyez, j'ai mon rayon qui a doublé. Je pourrais le faire tripler comme ça et il peut aussi tirer plus loin. Un petit jeu de plateforme comme ça, assez sympa, considéré comme un excellent jeu Master System. Il est souvent cité en exemple comme l'un des meilleurs jeux de la Master System. C'est un bon jeu, hein, vous le voyez. Au niveau graphisme, c'est sympa, c'est assez rapide dans son scrolling, ça se déroule bien, c'est fluide. L'héroïne assez maniable, un petit peu rigide dans les sauts, mais ça se passe bien, hein, globalement. Là, je récupère ma barre de vie. Là, je vais vous montrer un autre pouvoir que je vais pas tarder à récupérer. C'est le deuxième pouvoir qu'on récupère. Bon, lui, je peux pas l'avoir comme ça. Je suis obligé de me faire toucher. Ou alors, j'utilise le pouvoir d'invincibilité. Vous voyez, la portée de mon arme a augmenté. Hein. Donc là, je récupère une upgrade pour mon arme. Il est plus gros et plus puissant. Et un deuxième pouvoir. Vous allez voir tout de suite à quoi il correspond. Voilà, ça me fait revenir ici. Et ça me recharge ma barre de vie. Et en fait, je garde mes pouvoirs, donc ça me permet en fait de récupérer toutes les upgrades
voyez qu'eux, ils sont beaucoup plus faciles à battre maintenant. Je vais pouvoir récupérer toutes les upgrades qu'il y avait sur le chemin. Vous voyez, encore une upgrade. Donc les pouvoirs s'upgradent deux ou trois fois, je crois. Après, c'est tout. Il n'y a pas de malus. Pas comme dans un Batman sur Game Boy, où je vous avais expliqué, il y avait des malus. Là, il n'y a pas de malus. Hein. C'est, on perd pas. Même quand on meurt, on garde ses pouvoirs. On n'a qu'une seule vie. Enfin, on a un continu, en fait. Principe de continu. Et ils sont illimités. Donc on peut recommencer autant de fois qu'on veut. Et on recommence toujours au début du niveau auquel on a perdu. Merde. Ils étaient deux. Et les B, c'est des points. Comme souvent. B comme bonus, ça permet de récupérer du score. Hop là, voilà. Ok, oh merde. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de faire... Voilà, de faire ça, même si ça n'a pas duré bien longtemps. Là, je suis invincible et vous voyez que ça dure assez longtemps maintenant. Hein, parce que j'ai récupéré une upgrade. Je vais le réactiver. J'ai du pouvoir psy, comme ça, je me fais pas toucher par lui. Et pareil, vous allez voir que je vais le battre assez rapidement. Hein. Voilà, beaucoup plus rapidement que tout à l'heure. Là, vous voyez que mon pouvoir n'a pas augmenté puisque je suis à fond. Hein. Et on récupérera comme ça des pouvoirs tout au long du jeu. Il y aura quoi? Il y aura un rayon de feu, un rayon de glace, un rayon Sonic, une Smart Bomb, un pouvoir qui permet de l'éviter. Il y a quoi d'autre? Enfin, de voler, en fait. Ouais, il y aura divers pouvoirs comme ça. Et vous verrez qu'au fil des niveaux, enfin, je sais pas si vous le verrez, je vais essayer d'aller jusqu'au niveau 3. Ce sera déjà pas mal. Vous verrez qu'il y a des pouvoirs qui seront intéressants, par exemple, pour progresser dans le niveau 3, qui est un niveau de glace. Donc là, je vais pas aller récupérer les bonus, ça ira bien. Pour progresser dans le niveau 3, il faudra en fait soit détruire des blocs de glace qui gênent avec le rayon de feu, soit en créer avec le rayon de glace pour faire des plateformes pour pouvoir passer. Ouais, on va essayer de... Hop! Voilà, je me suis fait toucher. On y va. Vous allez voir particulièrement l'utilité du pouvoir d'invincibilité face au boss. Et au niveau 2, vous verrez que c'est utile pour les passages un peu chiants. Là, pas d'upgrade, parce que je suis déjà à fond, je vous l'ai déjà dit. Le jeu est graphiquement très sympa, avec, vous verrez, des environnements assez variés. Voilà le boss. Le boss qui est splendide, vous allez voir. Une espèce de chimère. Un lion avec deux têtes de dragon. Et là, je vais activer le pouvoir d'invincibilité pour pouvoir passer jusqu'à lui. Et vous voyez que de toute façon, je peux détruire ses météores. Hein. Et là, je suis invincible, il ne peut rien me faire, en fait. Hein. Là, je le bourrine. Les boss qui sont assez résistants. Et je récupère le pouvoir de glace. Qui ne me servira pas a priori pour le niveau suivant. C'est soit les boss qui nous donnent les pouvoirs, soit ils sont trouvables dans les niveaux. Vous allez voir que je vais trouver d'autres pouvoirs dans les niveaux. Toujours la petite cinématique. Là, vous allez voir, normalement, elle va se brûler ou je sais pas quoi. Elle va tomber dans le... Voilà. C'est des petites cinématiques assez rigolotes. Il y a un petit bonhomme qui arrive. Je les passe parce qu'elles sont assez longues et puis la musique s'arrête. Vous voyez que c'est un jeu qui est basé sur des écrans. En vertical, c'est des écrans et en horizontal, c'est un scrolling normal, on va dire. Donc ici, je pourrais récupérer des pouvoirs. Normalement, il y a un truc à récupérer ici. Il y a un healing. Hop. Merde. Voilà. Faut pas hésiter à bourriner les ennemis. Oh, c'est ce pouvoir-là, bon, je l'ai déjà. C'est le pouvoir pour revenir en arrière. Et là, vous voyez, j'ai été récupérer des pouvoirs, mais j'ai perdu pas mal de vie. Hop, voilà. Ici, une petite phase de plateforme, pas méchante. Parce que La plateforme, le truc de la plateforme fait exactement la hauteur de notre saut, la longueur de notre saut en fait. Là j'ai récupéré la Smart Bomb. Je vais vous le montrer maintenant. Voilà, vous voyez, j'ai tué un ennemi. Là je vais activer ça pour pouvoir passer plus facilement. Parce que certains ennemis ici sont résistants. Et puis surtout ils nous font tomber.
Voilà, je récupère du pouvoir psy, ça fait toujours plaisir. Je réactive le pouvoir. Vous voyez ici, ça a pas de problème. On peut même courir dans la lave si on veut. Hein. Avec ce pouvoir-là, il n'y a aucun souci. Hein. Hop, je vais l'activer pas mal de fois ici. Hein. Ici, on tombe. Ici, il faut courir. Allez, hop. Merde. Ici, pareil, on va le réactiver parce que celui-là, il est chiant. Je peux passer dans la lave sans problème. Vous voyez, c'est... Alors, ça peut paraître un petit peu cheaté, ce pouvoir-là. Mais le jeu fait quand même la part belle à l'utilisation des pouvoirs un petit peu plus loin dans le jeu. Et il faudra quand même économiser quand même pas mal sa barre de psy. Merde, je suis retombé. Merde. Voilà. Je m'en sers tant que je peux, hein. Là, j'ai la... Ça consomme pas énormément, en fait, hein. Ça consomme pas énormément de barre psy, hein, ce pouvoir-là. Ça, c'est une saloperie, donc je vais le buter. Bon, je voulais le buter, j'ai pas réussi. Là, je vais... Merde, trop tard. C'est-à-dire, je vais récupérer une upgrade pour mon pouvoir de glace. Même pas. Là, on court. Hop. Elle court toute seule, je voulais dire. Elle court toute seule. J'évite de me faire toucher inutilement. Ici, vous allez avoir un passage qui est sympa. Il faut courir, mais il y a quand même, il y a des trucs qui vont... Hop, des trucs comme ça qui vont nous faire chier. Là, j'aurais pu activer le pouvoir, mais c'est... bon, c'est pas utile. Donc, un petit jeu très sympa, une ambiance musicale absolument sympathique. Au niveau de l'intro, au niveau... Alors là, on va l'activer, par contre, parce qu'ils sont chiants. Dès qu'ils nous touchent, ça... Ils nous coincent, comme là. Ah, barrez-vous. Voilà. Et le boss. Alors, le boss, c'est particulier. Il va faire apparaître des trucs, et il faut essayer de grimper dessus, si c'est possible. Comme là. Ouais, c'est bon. Ce qui permet de le toucher, en fait. Sinon, on doit attendre qu'il descende. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Voilà, comme ça. Donc là, il va faire réapparaître des boules. Je vais quand même activer le pouvoir, on sait jamais. Ah merde, là, je suis un peu baisé, là. Ouais, non, là, je suis baisé. Là, il l'a pas fait apparaître comme je voulais, donc je vais attendre, c'est pas grave. Allez, hop. Ah, je peux pas le toucher, là. Si, là, je peux le toucher. Là, il va crever. Il va pas tarder à crever, le petit père. Il est très résistant, lui. Hein. Il est très long à battre. Allez, hop. Ouais, je l'ai eu. Et je gagne le pouvoir de feu. Pouvoir de feu, évidemment, pour le niveau de glace. Ça sera indispensable. Je vais vous montrer vite fait le niveau suivant, qui se corse un petit peu. Parce qu'il va falloir jouer avec les cascades qu'il va falloir geler avec le rayon de glace. Et d'autres qu'il va falloir brûler avec le rayon de feu. Ouais, c'est toujours des petites scénettes très sympas, très mignonnes. Évidemment, niveau de glace oblige, ça va glisser. Et même le boss, il faudra utiliser une technique pour le battre qui fera appel au rayon de feu et au rayon de glace. Pour l'atteindre, il faudra utiliser certains rayons. Merde, j'avais oublié ces plateformes-là qui se dérobent sous nos pieds. Tuer ces espèces de trucs verts, là. Alors ici, là-haut, il n'y a rien de... Non, bah, ça sert à rien. Hop. Faire attention ici. Vous voyez, heureusement qu'on a le pouvoir... qu'on peut utiliser le pouvoir d'invincibilité, parce qu'il y a des endroits où on est obligé de tomber. Vous voyez ce que je vous disais? Alors, je vais voir si je peux le tuer, lui, avant. Non. Peut-être ici. Je voudrais le tuer avant pour pouvoir tranquillement construire mes plateformes. Parce que là, vous voyez, cette cascade cette cascade en arrière-plan, bah, c'est ça que je vais pouvoir geler avec le rayon de glace. Ah, merde! Bon, tant pis. Je vais vous montrer le pouvoir de glace, vous voyez. Ouais, je peux créer des... Alors là, par contre, le problème, c'est que j'ai créé des plateformes un petit peu trop hautes pour moi. Non, c'est bon. Ouais, par contre, celle-là, je l'ai créée pour rien. Donc, je vais la détruire. Et je vais essayer de passer. Non, on va pas passer. Donc, on va faire comme ça. Non, il faut créer une plateforme ailleurs, en fait. Ouais, c'est pas évident. C'est pas super précis à ce niveau-là. Cette phase-là du jeu, c'est pas super précis. Ouais, il faut appuyer plusieurs fois. Et on crée des plateformes, en fait. Hein.
mais seulement aux endroits où on peut le faire. Et vous voyez que le... les pouvoirs de glace n'agissent pas sur ces monstres-là qui sont des monstres de glace. Alors lui, je suis obligé de le tuer pour passer. Puisque sinon, je vais tomber. Bon, après, je pourrais toujours créer des plateformes, mais bon. Bon, attends. Hop, il va pas me faire chier, lui. Ça, c'est quand même beaucoup plus puissant. Voilà, nickel. Alors, attention, on y va. Ça, on le tue. On va récupérer un peu de vie. Ah bah, je peux pas. Non, je peux pas. Là, je vais pas tarder à crever. Faudrait que je récupère de la vie, quand même. Vous voyez, ça glisse ici, hein. Ah, ah, il me touche, là. Il me touche à chaque fois. Je vais aller voir, là. Ce qu'il y a, bah y a rien. Y a pas de vie, bon. Bah je l'avais eu, voilà. Lui il est chiant, il balance des bolettes, voilà. Ah, là ça c'est une smart bomb automatique, on va dire. Et ça c'est le pouvoir de la smart bomb. Oh là 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 là, attention ça glisse. Voilà. Ah c'est quoi ça? Ah c'était un monstre, merde. Donc là, vous voyez, bon, bah, première mort. Si on fait yes, et ben on reprend tout simplement ici. Et on a les continues limitées. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et par contre, on reprend avec le niveau de vie et le niveau d'armes qu'on avait au niveau précédent. On reprend pas full vie. Bon, on va foncer. Parce que là, ils me touchent, ils sont un peu chiants. Vous voyez, un jeu très sympathique, je vous avais dit, considéré à juste titre comme l'un des meilleurs de la plateforme. Là, par contre, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû... Ah, mais d'accord, là, je suis coincé. Voilà. Je peux même plus sauter, là. C'est un petit peu con ce que je suis en train de faire. Vous voyez, c'est des passages un petit peu puzzle, un petit peu technique. Là, je le touche, hein, y a pas de souci. Lui, par contre, faut que je saute pour le toucher. J'essaye d'éviter de me prendre sa boule. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est un jeu qui est pas trop court, hein, qui a quand même... alors que je dise pas de conneries, il y a 5 niveaux. Et c'est un jeu qui se boucle d'une traite en moins d'une heure, si on connaît le jeu, bien sûr. J'aimerais bien attraper ce bonus-là, mais je peux pas. Hélas. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il va disparaître, vu que c'est un bonus qui m'a été donné par un monstre, ouais, il a disparu. C'est dommage. C'est dommage. Alors, bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Donc là, toujours le pouvoir, mais je vais pas aller le récupérer. Je vais me mettre là, voilà. Ouais, c'est un monstre qui bouge, j'avais pas fait gaffe. Allez, on y va. Bon, en même temps, j'utilise pas assez mon pouvoir d'invincibilité. Hein. Lui, je le touche, y a pas de souci. Ici, je vais utiliser mon pouvoir. Putain, enfoiré. Alors là, vous voyez, je suis un petit peu coincé. Il faut que je crée des petites plateformes pour remonter ici. Et merde. Alors là, j'ai fait le con. Non, c'est bon, ça passe. Hop, merde. Bah si, en fait, ça passait. Alors, les pouvoirs de feu sont pas spécialement plus efficaces que mon pouvoir de base contre ces monstres-là. Pourtant, c'est des monstres de glace. Bon. Alors, ici... Oh là là. Voilà, on va y aller tout doucement. Merde! On va y aller tout doucement, éviter de jouer au con. Alors, je le touche pas, lui. Si. Il faudra bien jouer sur la portée des armes, etc. Hop, ici. Alors ici, à mon avis, il faut créer des plateformes. Alors ouais, enfin, c'est... là j'en ai créé trop, là. Oh là. Alors là, par contre, vous voyez, le problème, c'est ces connards-là. Et là, je touche pas la plateforme. Il n'y a que certains endroits où on peut créer des plateformes.
Ah putain, bon, je vais arrêter les conneries, je vais redescendre. Je vais brûler ici. Et c'est ce que je vous disais, il y a des endroits où il y aura des blocs qui sont déjà créés et qu'il faudra détruire. Et là par contre, le problème, c'est qu'en fait ça sert à rien. Ça sert à rien ce que je viens de faire. Alors si je redescends et que je remonte, je peux pas redescendre en fait, je suis coincé. Parce que là, logiquement, voilà, je peux pas atteindre cette plateforme. Lui, je peux le tuer, mais ça sert à rien. En tant qu'il a un peu de vie. Bon. Là, vous avez compris le principe. Le principe du jeu qui est très sympa. Et vous voyez, ce sera pas forcément facile d'atteindre la fin du jeu dans ces conditions. Puisque, bon voilà, je suis mort. Puisque même avec des super pouvoirs comme on a, eh ben on est facilement coincé quoi. On se fait facilement avoir. Mais bon, c'est considéré à juste titre comme un des meilleurs jeux de la plateforme. De cette époque. C'est-à-dire, vous voyez, graphiquement, il y a forcément un petit peu mieux, mais quand même, c'est un jeu qui est assez sympa. Graphiquement, dans sa réalisation, la maniabilité, c'est propre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bah, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je recommence à faire mes conneries. Voilà, donc c'est un jeu que j'ai été très content de vous tester parce que bah concrètement c'est une bonne découverte. Moi je connaissais pas, je connaissais même pas de nom en fait. J'ai découvert au hasard de mes recherches sur le net. Voilà, c'est parfait, c'est ça que je voulais faire. Une, deux plateformes et on y va. Donc c'est un jeu que j'étais très content de tester, que j'ai pas fini encore parce que ça chauffe, hein, comme vous le voyez, c'est le niveau de glace, mais ça chauffe un petit peu. Je suis allé au boss, alors le boss c'est une espèce de dragon, et il faudra construire des... voilà, ça c'est bien ça. Il faudra construire des plateformes de glace pour arriver jusqu'à sa tête, et utiliser le rayon de feu pour le tuer lui. Donc il faudra vraiment jouer avec les pouvoirs. Et après, vous aurez le... Putain, je vais y arriver, ouais. Vous aurez le niveau suivant. Ou celui d'après, je sais plus. Ça, je l'ai vu sur un long play. Hein. J'ai pas fini le jeu, je vous l'ai dit. Où il y a des passages... notamment, il faudra utiliser un pouvoir qui permet de voler. Oh là, je fais le con, là, je fais le con. Eh, je suis mort. Je suis mort avant d'avoir pu déclencher le pouvoir. Et continue limité, bon ça vous avez bien compris l'idée. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé ce court mais intense test de Psychic World sur Master System. Un très bon jeu que je vous conseille. C'était Doc McCoy. Salut!